Soir, très spécial ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce soir? J'ai ouvert ici il y a 25 ans. C'est le deuxième à venir ce soir. Qui est le premier? Derrière toi. Elle doit être juste de passage. On dirait qu'il y a des étrangers qui mangent ici. Je mange ici du thé. Ah oui, toi, bien sûr, tu manges. Fais attention, ne t'étouffe pas en mangeant tout ça, d'ailleurs. Salut, Palomita. Il y a un bon bout de temps que c'est plus maman. Alors, finalement, t'as pu devenir un chic médecin? Jamais, non. J'étais sûr que tu le ferais. T'en parlais à D. C'est ça le problème. Les projets, ça finit par devenir la chose dont on parle au lieu d'être la chose qu'on fait. C'est ma veste, ça. Je l'ai cherchée pendant 2 semaines. Et moi, tu m'as cherché combien de temps? Oui, bien, la veste m'appartenait, mais pas toi. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je pense que je vais me lancer dans la comédie. Une comique. Ah ouais. C'est pas drôle. C'est exactement ce que j'ai essayé de dire à tout le monde, mais ils disent que je les fais mourir de rire. Mais c'est faux. Il y a une différence entre parler avec franchise et parler comme un con. Ouais, bon. J'étais très heureux de te revoir. Ah ouais. Et tu t'appelles quoi maintenant? Au cas où je voudrais voir un de tes shows. Cherry. Cherry Darling. C'est un nom de stripteaseuse? Non, c'est un nom de danseuse à gogo. Il y a une différence. Ouais. Bon. Tu seras à jamais Palomita pour moi. Je cherche un transport. Tu dis, El Rey. D'accord, je t'emmène. Au revoir, Bill. Tu veux pas dire à tout à l'heure? Bien sûr. Ça va bien, Doc? La petite madame est assez jolie là-bas, je dois dire. Elle pourrait redresser même le coude d'une rivière. C'est plaisante. Regarde cette merde-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton bras? J'ai été mordu. Mordu? Mais par quoi? Si je te dis, il est probable que tu ne me croiras pas. Oh! Tu pourrais recoudre la plaie? Normalement, c'est ce que je ferais. Je ferais même quelque chose pour arrêter l'hémorragie. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'hémorragie. Oh merde, regarde ça! Quand c'était encore un hôpital de l'armée, ici, un gars est revenu d'Irak avec ça. Oh, lésion herpétique chronique. Quand il urinait, ça sortait par tous ces petits trous, là. Une sorte de fontaine. Oh, Seigneur. Comment vous l'avez soigné? Merde, j'ai jamais été en Irak. Tant mieux pour vous. Les trucs qui se transmettaient là-bas, c'était à ne pas croire. Je vous jure, j'ai des globes oculaires d'un Irakien qu'un copain a rapporté comme objet d'étude. Incroyable. Ils étaient complètement vitreux. Le gaz moutarde, ça fait ça aux yeux. D'ailleurs, ils sont toujours dans mon frigo. Tu penses que c'est un gastrophile? Lésion ulcéreuse, virale, chronique. Ça, on dirait de la goutte. Il fait de la température, 105 degrés. C'est mauvais? C'est haut. Mauvais, ce serait sans lui. Vous pourriez tomber en convulsion, faire une psychose. Et peut-être bien mourir. Fais A. Monsieur. Oh, joli. Abcès noir de la langue. Tous les abcès doivent être drainés. Ah,
fait? Qu'est-ce qu'il fait? Elle ferme, Jean. Bébé, les aiguilles. J'en ai pour une seconde. Ça te répond. Nom de Dieu. Quand es-tu fait mordre? Il y a un instant. Il va falloir sacrifier un bras, Jean. Comment? Sacrifier quel bras? Mon bras? Je suis en train de monter jusqu'à l'épaule. Et si on retarde l'amputation du bras, ça risque d'atteindre le thorax. Et on ne peut pas amputer le thorax, n'est-ce pas? Et j'aimerais avoir une deuxième opinion. Ça va, Joe? Je suis là pour t'administrer un très fort anesthésique pour que tu ne sentes rien durant l'opération. Ça, ce sont mes amis. Mon ami John va éliminer la sensation de brûlure. Oh. Mon ami bleu, tu la sentiras à peine. Ça veut dire que mon ami jaune a déjà fait effet. Tu vois, mes amis travaillent vite. Et après mon ami à tête rouge, tu ne m'en verras plus dur. Leur réaction varie, hein. Mémoire de notre cher Jungle Julia. Pas de service. Oh.